la fanfare, le commandant des troupes, le drapeau et sa garde, les officiers d'état-major, le prytanée militaire de Kati, l'association malienne des anciens du service national des jeunes, l'administration pénitentiaire et l'éducation civile, les eaux et forêts, les douanes maliennes, la protection civile, la police nationale, la compagnie de soutien, la gendarmerie nationale, le génie militaire, la garde nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre et la direction du sport militaire. En attendant le défilé, nous invitons la fanfare du Prytanée militaire de Kati à se mettre en place pour un intermède musical et une présentation chorégraphique. Mesdames et messieurs, la fanfare du Prytanée militaire est constituée uniquement d'élèves et sur la base du volontariat, mais à condition d'avoir de bons résultats scolaires. Sa mission est d'assurer la couverture musicale de certains événements dans la vie de l'école et même pour certaines fêtes nationales comme celle d'aujourd'hui. Cette fanfare est structurée comme les grandes fanfares, la batterie et l'harmonie. La batterie, conduite par celui qu'on appelle tambour major, c'est-à-dire celui qui détient la canne devant la troupe. Cette fanfare est encadrée par le sous-lieutenant Aruna, camarade. Ces élèves qui viennent de se placer devant vous vous exposeront leur talent. Il s'agit, au son de leur instrument, d'exécuter des mouvements d'ensemble riches et variés.
Il a servi sur beaucoup de théâtres d'opération. Un véritable homme de terrain. Il est suivi du drapeau national, mesdames et messieurs. Nous vous demandons. Il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces armées de défense, de sécurité et paramilitaires. Le prisonnier militaire. La compagnie est commandée par le capitaine Dassana Kane. Le prisonnier a comme devise s'instruire pour servir. Cette école d'excellence panafricaine a été créée en 1923 sous l'appellation École militaire préparatoire africaine. Et MPA, le prisonnier militaire de Kati, a eu 30 ans en 2023. Cependant, l'école a connu quelques années d'interruption à partir de 1960, avant de rouvrir cette porte le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel. Ses premiers pensionnaires, constitués de 30 élèves garçons maliens, ont été accueillis le 5 novembre 1981. La mission du Britannique est de donner une formation militaire, académique et sportive, les prédisposant à une carrière militaire et paramilitaire. Dans le cadre de la Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Association malienne des anciens du service national des jeunes, commandée par le commandant Oumar Ouattara. Sa devise, apprendre, servir, renforcer l'union, l'entraider et la solidarité entre la mobilisation pour les besoins de défense de la nation. Contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité. Et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes. L'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. La compagnie est commandée par le capitaine Koulou Keïta. La devise, surveiller, rééduquer, même pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. La dernière section est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour des besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt et la protection des autorités. Elle est commandée par le lieutenant Abdoulaye Diarra, dit Zoto. Les eaux et forêts. La compagnie est commandée par le capitaine Mamadou Fili Kanté. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvage. La promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage. Assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La dernière section est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale. Elle peut évoluer sur tous les terrains et dans toutes les conditions. Les douanes maliennes. La compagnie est commandée par le capitaine Zana Alassane Koulibaly. Sa devise, vigilance et loyauté. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Elle a trois missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, qui consiste à protéger l'économie et l'industrie. Mission particulière, assistance aux autres administrations.
Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière à travers ses unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle a engagé un grand programme de réformes pour s'adapter au contexte international et aussi multiplier les actes du désert en marchandises. Formée dans le domaine de l'intervention professionnelle, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans arme et de la maîtrise de l'adversaire avec arme. La protection civile. La compagnie est commandée par le capitaine Mariam Djabaté. Sa devise, sauver ou périr. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et à la mise en œuvre des actes politiques